Et salut tout le monde, comment ça va, comment ça va? Hop, on change d'affichage. Voilà. Normalement, c'est bon. Comment ça va bien tout le monde? Comment ça va bien tout le monde? On va attendre un peu que des réponses arrivent. Parce que forcément, avec le décalage, c'est toujours la loose. Faudrait qu'ils règlent ce problème quand même. Ouais. Donc on va continuer bah, la partie qu'on avait commencée hier. La partie qu'on avait commencée hier. Salut Brice88, comment ça va? Comment ça va? 22e jour, je pensais qu'on était au 23e jour, mais en fait non. Morgue. Parce que j'ai une morgue. Voilà, mon record, 7. Attention, attention. Darkness, Spider. Ok. Donc là, j'ai complètement pété mon record. C'est pas plus mal d'ailleurs. Alors, encore une séance de coaching et en plus. On va commencer. Allez, je propose qu'on commence tout de suite. Allez. Je crois que j'étais en plein hiver. Je sens que ça va être la loose. Oui, j'ai vu pour le lien, presque tout. Alors là je suis en mode gros problème parce qu'il va pas y avoir assez de baies, ça va être la loose. Parce que l'hiver commence, enfin, en tout cas l'automne au moins, et je vais avoir des problèmes de nourriture. J'ai eu un problème, mon périphérique s'installe pas, du coup pas de son encore. Ah ben cherchons le net, je sais pas parce que tu vas jamais y arriver en fait. Alors là, on va avoir des problèmes. On risque d'avoir des problèmes. Est-ce qu'il me faudrait. Est-ce que j'ai pas une pelle? Chester, as-tu une pelle? Oui, Chester a une pelle. Ah ouais, attendez. Je sais ce qu'on va faire d'abord. Je vais finir ma hache. Voilà, nickel. Pile au bon moment, il finit la hache. Oh mon Dieu! Ça commence bien. Ça commence genre pas bien du tout en fait, non. Oui, c'est ce que j'allais faire. J'allais utiliser la pelle pour faire sortir les lapins. Il met 10 ans à s'installer. Du coup, j'ai redémarré mon PC. Depuis, il s'installe plus. Ah non, c'est bête. Il fallait pas faire ça. Faut toujours laisser finir. Je plante des arbres devant lui. D'accord. C'est un adaptateur USB son. Non, plante. Oui, bah, faut que je plante des arbres, oui. D'accord. Parce que j'ai découpé trop d'arbres. Alors attendez, où est mon piège? Il est plus loin. J'ai dû changer de PC et essayer un truc pour qu'il marche. Ça va être la loose si tu dois faire ça, Algonix. Yes! Yes. On va faire le même principe, il me faut de la nourriture. Ah oui, sauf que j'ai pas de place du tout. Où est-ce que je vais ranger des trucs? Des cordes dans le chester. Voilà, non. Mon premier adaptateur, ma mère a été dedans, mais la config de son pour le mettre. J'ai un mode d'emploi russe, ça m'aide. Sûr que mode d'emploi en russe, ça aide bien. Donc. Il fait vachement froid là, non? Les lapins sont utiles pour la magie, donc pour respawn. D'accord, mais là j'ai super froid. Il faudrait pas que je me fasse genre un casque ou un truc comme ça? Oh la vache. Je suis encore jamais arrivé à ce niveau-là, donc on va bien voir.
On va bien voir. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? C'était dans Survival, c'est ça? Non, c'était le chapeau. Help me please, I don't death, I love a song, please help me. Ah oui, la pierre que je mets à côté du feu, ouais. Sauf que là, elle est plus froide maintenant. Il faut que je réchauffe. Chauffe la pierre, chauffe. Non, tu chauffes pas assez vite. Tu n'as peut-être pas assez de chaleur. Je vais chercher du bois. Faut augmenter le feu, d'accord. Est-ce que les arbres, une fois coupés, repoussent tout seuls? Je crois, hein. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai un peu froid. Ok, Loom, pour installer mon périphérique, je dois aller dans le périphérique, mais il se lance pas. Ah, embêtant. Chauffe. Voilà. Ça y est, elle est chaude. Alors, j'ai des problèmes de lapin. Et j'ai problème d'estomac aussi. Ah, ça remonte que dalle. Oula, il fait nuit. Les arbres ne reposent pas, il faut enlever le tronc avec une pelle et replanter. D'accord. Toc, je vais mettre du fuel parce que voilà. Je vais jamais avoir assez de nourriture. Ça se met pas dedans. Bon bah. Allons-y, hein. Ah non, faut que je le tue. Ah, m'énerve. Parce que du coup, niveau nourriture, bah, comment dire, on est à sec. On est complètement à sec. Des graines, il en faudrait blind. Il m'en faudrait vraiment une blinde. I'm so hungry. Oui, je sais que j'ai faim. Mais là, c'est la loose. Faudrait que je me rase. Toc, ça fait remonter un peu la sanity. Allez, le jour, lève-toi. Où est-ce qu'il y a des trous de lapins? Tu dois en avoir par là. Blue Mushroom. Qu'est-ce que c'est que ces Blue Mushroom? Alors. Plus de rabbit holes. Ah si. Sauf que du coup. Ah, mon piège est là-bas. C'est la grosse loose au niveau de la nourriture. J'espère que ça dure pas trop longtemps l'hiver parce que. J'aurais dû me faire vraiment, vraiment des. Des stocks. L'appel. Oh, et oh. Ah, il gaspille ce lapin. Eh oh. Saving. Ah, il faut que je me camoufle, pas bête.
Mais je peux pas me déplacer hein, en me camouflant. D'accord, attendez. Comment je vais faire ça? Est-ce que ça peut marcher s'il fait ça? C'est pas pratique du tout. Ça sert à rien le camouflage en fait. Je vais essayer de le faire aller tout droit. Oh mais oh non, il est passé devant. Et ça marche pas. Oui, ça marche pas, j'avais remarqué. N'a pas mes noix là. Voilà. Infernal. Alors, où est-ce qu'on peut aller? Là, ici. D'accord, il était pas dedans, évidemment. Toc. Il m'en faudrait beaucoup. D'accord, c'est pas là ton trou? Vous avez pas votre trou de balpin ici? Oui, ça stack pas, ouais, j'ai vu. Ah! Les lapins infernaux. Ah oui, j'ai froid en plus. Bon, du coup, on va aller voir ailleurs. On va rentrer chez nous. La pierre est froide, ouais, bah. Je sens que ça va vite me saouler l'hiver. Et vite me tuer aussi. Je sens les gros problèmes. Salut à Tom. Le caillou. Le caillou. Plus je la laisse longtemps près des feux, plus elle dure. D'accord. Bon, de toute façon, on va pas trop bouger. Aïe, j'ai plus de nourriture. Ouais, 63, c'est pas mal. Alors après, j'ai des problèmes parce que j'ai genre plus du tout, du tout, du tout de nourriture pour faire des crockpots. Comment je peux faire ça? Qu'est-ce qui pourrait se manger en hiver? Y a rien qui se bouffe. Une fishing road, mais non. Le but du jeu Atom, c'est de survivre en fait. Je crois qu'il y a un mode histoire, enfin un mode aventure où il faut passer de monde en monde, mais de base c'est pour survivre. Don't Starve intègre deux saisons, l'été et l'hiver. La transition entre elles se fait de manière très progressive sur plusieurs jours. Plusieurs éléments se modifient au fil du temps. Plus vous avancez vers l'hiver, plus le crépuscule augmente, inversement pour l'été. Oui, ça j'avais remarqué. Ah d'accord, donc je fais même un poil de lumière quoi. La température descend de plus en plus. Le moyen de s'en apercevoir est de fabriquer un thermomètre. L'ambiance devient bleutée au passage de l'hiver. Je me fasse un piège. Capturer une dernière. Un dernier Roger Rabbit. Mais t'es passé dedans, quoi. Le salopard. C'est pas grave, c'est un bout de wiki. C'est toujours un peu gros. Voilà. C'est bon, il est passé dedans.
plus, ma sanité elle va bien baisser. Fait nuit. Je vais mettre ma thermal stone. Sur qu'elle chauffe. Alors le crockpot. Je vais jamais avoir assez de lapins pour tenir tout l'hiver. Allez, on va faire ça et puis de toute façon c'est ma dernière salve de nourriture en espérant que ça dure plus longtemps. L'impact de l'hiver sur l'écosystème. Ah, faune qui entre en hibernation. Abeilles, moustiques, crapauds, poissons, ondes de feu, oiseaux rouges, koala éléphant d'été. Fleurs qui entrent en hibernation. Enclos d'agriculture. Fleurs qui continuent de pousser mais extrêmement lentement. Buissons de baies rouges, surtout ceux récemment fertilisés. Les baies sauvages poussent plus rapidement. Touffes d'herbe. Arbuste. J'entends. Merde. J'entends des chiens. Je vais me faire tuer par les chiens. Non mais Atom, il écrit pas vite, il fait juste des copier-coller du wiki. Et les chiens, mais les chiens c'est pas censé être un poil plus tard là? D'ailleurs. Oh merde, chien. Je tiendrai jamais les chiens. S'il y en a trois, surtout les chiens de l'hiver. Obligé de mettre les chiens. Non, je peux pas les adopter les chiens, je crois. Ils arrivent, il y en a un là. Ok, moi ça. Putain, deux. Réussi, oui. Putain, c'était chiot. J'ai tellement failli décéder. J'ai oublié ma pierre. J'ai tellement failli mourir. Bon, par contre, là. Là, je suis exsangue. Régène vite. Bah, ouais, mais je peux régène avec rien du tout en fait. Je prends des trappes. L'idéal, ça serait de se balader avec des lapins, mais. Tac. Ah, j'ai un truc dedans. Voilà. Tu lis jusqu'à ce que je renvoie ce qu'il faut. Il a tout lu. Oui, j'ai tout lu. Oh la vache. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Parce qu'il faut, c'est que j'arrive à survivre à l'hiver, mais juste en mangeant quoi. Tiens, mange-le, ça fait un peu de PV. Des baies! Des baies! Non mais oh, je peux pas le prendre. En fait, il faudrait que je. T'as même le système d'hypothermie. Ah oui, carrément. Mais de toute façon, l'hypothermie, c'est dans la flotte. Et je compte pas aller dans la flotte. Tiens, il y avait un cadavre que je connaissais pas. En tout cas, que j'avais jamais. Oui, des carottes. Des carottes. Et est-ce que je serai à un endroit que j'ai pas encore visité? Ah bah oui. Ça aide bien. Allez, pousse-toi, Chester. Système d'hypothermie. Non, mais j'ai pas tout lu le wiki. Hein. J'ai rien lu hein, dans le wiki. Alors, je pensais que tu parlais de ce que tu avais marqué sur le chat. Les pièges. Les pièges, les pièges, les pièges.
Système d'hypothermie, le principal risque durant l'hiver est de mourir de froid. En effet, l'absence de source de chaleur doit pas. Nanana. Ce personnage se sématise par le gel de plus en plus important. D'accord. Ouais, bah c'est. Faut juste éviter de geler, quoi. Ah, faut que je l'équipe. Alors, attendez. Du stuff. Amène de la carotte. Ramène-toi, Chester. Et merde, j'ai froid. J'ai froid, il va faire nuit, on va rentrer. Toc. Ça baisse genre super vite. Voilà, régène un peu. Le truc c'est que je pourrais pas régénérer ma vie correctement avant l'été quoi. Chaud. Toc. Du monstre, il n'est pas conseillé de construire sa base à côté d'un igloo car ça demeure d'un Mactus qui est de son fils qui est le petit morse accompagné des Hounds des glaces. La nécessité d'anticiper certains dangers comme l'attaque des Hounds est d'autant plus importante en hiver. Dirklop sort de son arc hiver. Une nouvelle espèce d'oiseau apparaît, les coéléphants de glace apparaît. Ah oui, il y avait un truc là, c'était ça l'igloo? Faut pas que j'y aille, c'est ça. Hein. Moi je n'irai pas. Allez, on va tuer des lapins parce que voilà, j'aime bien tuer des lapins. Où sont. Voilà, hop. Oh là là. Combien de temps je vais arriver à supporter ce froid? Ça, c'est la question. Ça c'est un truc à avoir une balle entre les deux yeux, c'est-à-dire c'est horrible. Toc, c'est la nuit, faudrait peut-être que je me fasse un deuxième coffre. Ah mais j'ai pas énormément de bois. Déjà j'ai mangé les graines, remonter un peu. Hammer, à la limite, on peut le mettre dans le coffre. Je m'en sers pas. J'ai déjà une spire, je peux la foutre ailleurs. Voilà. Il y a des bruits, je sais pas du tout ce que c'est. La gold nugget, ça prend de la place. Faut vraiment que je me trouve de la nourriture. Et le seul moyen pour ça, c'est d'aller dans les endroits que j'ai pas explorés, genre par ici. Merci, Basket 8. Ah là là. On va attendre le jour. Oh la loose. On va attendre le jour. Qu'est-ce que je peux faire? La Monster Meal, je peux pas m'en servir, je crois. Je crois que ça sert à rien. Ça sert à rien que j'essaye. Je m'en sers pas plus. Actuel, ça marche. Ah non, on peut pas mettre les trappes. D'accord. Ouais, le jour, j'ai vu qu'il se réduisait petit à petit. Je pense qu'à un moment, on aura énormément de jours et beaucoup de nuits. Enfin, pas beaucoup de jours et beaucoup de nuits. Oui, je sais que t'as faim, mais je peux pas te nourrir là. Faut que je te nourrisse une fois par jour maximum, sinon t'es mort. Allez go. Non, la pierre, j'ai oublié la pierre. Il
Vite à la recherche de nourriture, c'est important, c'est primordial, c'est... La vache. Est-ce que ça serait du vide dans le chester ou pas? Non, ça serait du lentement, c'est cool. L'hiver finit à 35-36 jours. Ah ouais, mais genre j'ai encore le... Je vais avoir encore une attaque de chien, je suis sûr. Monter un petit peu la sanity. Je vais encore avoir une attaque de chien et celle-là elle va m'être fatale. YOLO, 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 YOLO. Alors. Cool. Des cordes. Hop, je vais ranger dans le chester. Une voire deux attaques de chien. Ouais, génial, je suis tellement heureux. Ça va être tellement l'horreur. Oh mon dieu! Une attaque de pingouin mutant. Qu'est-ce que ça fait que ces pingouins? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce jeu est tellement surprenant. D'ailleurs, tu t'attends à tout et à rien à la fois, c'est assez magique. Remontons un peu la sanity. Les carottes. De quoi survivre? D'autres carottes. Mon problème est que je n'ai pas de base. Bah si, j'ai une base. Elle est juste très mal faite. Avec juste rien pour survivre l'hiver. C'est tout. Il y a un wormhole. Ok, il est rentré dans son trou. On va pouvoir aller le sortir de là. Une nouvelle créature fera son nom pingouin. Pinguin, point de vie 150, point de dégâts 30, 33. Mais j'ai pas de mur. Ça change quelque chose d'avoir un mur? Je veux dire, ils vont contourner ou des trucs comme ça? Sinon, je peux couper un max de bois et bon, faire des murs quoi. Est-ce que c'est si important que ça? Non, pas ça. Murder ça. Toc. Oui, ils vont abandonner ou détruire tes murs. D'accord. Oh, Boxfing. Et j'ai un gnome. Et j'ai plus de... Comment dire? J'ai froid. J'ai froid, on va rentrer vite. Ils vont abandonner ou détruire mes murs, ce qui est quand même... Avec ma chance, ils vont détruire les murs, mais on pourrait essayer effectivement. C'est par là-haut, vite. Parce que j'ai genre super froid. Ouais, le pingouin, je sais qu'il me one shot avec mes stats. Hein. Aïe. J'y suis presque. J'y suis presque. Non! Ah oui, j'ai la table. Ah oui, sauf que là, je vais vraiment crever. Faut que je puisse me trouver un truc chaud. Oh merde, 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 merde. Non, j'aurai jamais assez. Je vais crever une deuxième fois. Et c'est fini. J'aurai jamais assez. Vous pouvez faire une torche, oui, mais je pensais que j'aurais suffisamment de temps, mais en fait ça descend énormément, enfin ça descend très très vite.
Et puis là, je veux dire. Là... Ah, j'ai crevé une deuxième fois. C'est fini. Alors que je suis à 2 mètres. Ouais, génial. J'ai survécu 26 jours. C'est tout? Je pensais que ça me ferait beaucoup plus XP que ça. Bon, 26 jours, c'est pas si horrible que ça, mais c'était pas génial. Ah là là. Bon ben, c'est reparti, hein. Est-ce qu'on change de caractère? Tiens, je vais voir ce que j'ai débloqué. Mais je l'avais déjà celui-là. No many things. Self-published book. Can't sleep. Head spoilage. Elle peut pas dormir. Ah, il me reste encore un paquet de persos, il me reste 3 à débloquer. Bon, badge de gentleman scientist alors. Hein. Bon, allez, on recommence. Ça va faire, de toute façon. Bon, le monde, on va le laisser comme ça. Hein. Je regarde un peu les créatures. Prends la folle. Quoi? Ou random? Ouais, on peut prendre random, allez. Random. Allez, c'est parti. Bon, 26 jours. C'est pas mal. Ah! Ok, bon. Ah ouais, faut tout redémarrer, quoi. 579 jours, bah mec. Je sais pas comment tu fais, hein. Il lui faut de la bouffe, à lui. Comment on le joue celui-là? Dans le doute, je vais prendre ce qu'on prend d'habitude. Hein. Alors, du bois. Du bois, du bois. Oh la vache, il fait chaud dans la piole. Il reste plus qu'un boss, t'es pas mort, ah bah dis donc. Alors. Et mais je peux prendre des pommes de pain. Tout recommencer, c'est dur. Hein. Les deux derniers persos, je les débloque en mode aventure. Ah, d'accord, c'est Maxwell et. Je sais pas qui. C'est cool, c'est d'essayer le mode aventure. Sauf qu'il faut trouver tous les trucs. Coucou les abeilles. Alors, on va faire une pickaxe. Salut Hero of Time. Salut, salut. Comment ça va? Alors. Tac. Que dit la carte? La carte dit rien du tout. Elle ne parle pas.
pas trop comment réagir avec ce perso, on dirait que sa nourriture descend vachement vite. Toc, là il y a une route. Toujours bien les routes. Toc, du flint. Des endroits à lapins. Un glouglou. C'est toujours marré. Maintenant nous sommes deux. T'es pas obligé de d'écrire en caps lock, ça fait un peu bizarre. Il s'en va. Alors, nouvel environnement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas ce que c'est. Là, on revient sur un autre environnement. Je connais un peu mieux. Torche. Oui. Ça épuise. Ça va toujours être bien d'avoir une torche. Ah, c'est le truc que j'aurais dû faire, c'est faire une torche à garder sur moi pendant l'hiver. WX78 peut manger de la nourriture avariée sans pénalité. Peut s'améliorer à l'aide de rouages, augmenter ainsi sa santé maximale. Maximum 400, 400 santé. Sa faim maximale, maximum 200, sa santé mentale maximale, maximum 300. Chaque rouage apporte en moyenne plus 20 de santé maximale, plus 7, plus 14. Ah ouais, et les rouages, tu les trouves comment? Il se recharge avec des éclairs, il doit toute sa vie remonter, dispose d'un bonus de vitesse et produit de la lumière durant toute une journée. Il devient également résistant au froid. Ah ouais, c'est pété comme perso, donc. Il n'y a pas des contreparties? Il n'y a pas des contreparties. Des stocks. Y a rien d'autre? Bah pourquoi c'est pas le perso que tout le monde prend? Parce que il a l'air complètement explosé. Niveau pouvoir. Alors, est-ce qu'il y aurait des buffalo dans le coin? Il perd progressivement sa vie lorsqu'il pleut. Contré par un parapluie. D'accord, donc ce qu'il faudrait que je me fasse en priorité, c'est un parapluie, histoire de pas crever sous la pluie comme un idiot. Là, il y a plein de lapins. Potentiellement. YOLO, il fait nuit. Je tourne. Toc. Bon alors là il faut que j'arrête de faire des erreurs, c'est-à-dire qu'il faut que je me prépare à faire une base directement. Donc ça veut dire des stocks d'herbes, des stocks de pierres, je pense que je vais faire plein de murs en pierre, comme ça moi je suis tranquille. Oui je sais, fais la réserve l'eau. On va cook. Allez, plus vite. T'es lent. Ah oui, c'est énorme pour lui. Ah, forcément, c'est des... Il est beaucoup plus faible en estomac. Genre, il faudrait que je trouve des rouages. Comment faire un parapluie?
Ah d'accord, bon, bah ça passe, il faudrait juste que je fasse ça. Un petit chapeau. Je vais me faire une base bien peinard. Comme ça au moins je serai tranquille. Il faut quand même de l'or pour débloquer les bases. Donc la sanity. Oh, elle est bonne la sanity. Elle a pas de problème la sanity. Donc je me trouve Chester. Et je me trouve Chester. Je peux faire une ombrelle qui remonte la santé mentale quand tu l'as en main quand il pleut. Ah ouais d'accord. Oh là là, ça sent le. Ça sent le truc, comment dire, le gros piège. Non, c'est pas un piège ça? Si, 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 ça sent le piège. Ça sent le piège à 20 km. Oh bah. D'accord. Ça sent le piège à 20 km ce truc. Un champ comme ça avec des trucs au milieu. Ça pue le piège. Ah, là-bas, il y a de quoi récolter de la pierre. Sur 2 cm². D'accord. Des cailloux. Des buffalos pour trouver de la merde. C'est des pièges où t'as pas des. Ou pas, ça dépend si tu es près des cochons. Si t'es près des cochons, il n'y a pas de piège, voilà. Si t'es près, c'est qu'il n'y a pas de piège. Ah bon? C'est juste parce que il y a des cochons à côté que s'il n'y aurait pas de piège? Bizarre. J'ai pas l'impression d'être à côté des cochons. Ok, un cimetière, c'est sympa. Ah, déjà, on va pouvoir se faire une science machine. Le jour où il... j'aurai une pickaxe correcte. Mais Georges. Ça change rien, mais bon, j'ai plus la place. Donc, les cochons sont faits de salut. Ouais, c'est leur champ, mais ils t'attaquent pas si tu les pilles. D'accord. Stop avec les caps lock, les mecs. Histoire de garder un chat à peu près propre, éviter les caps lock. Ah, de l'or. Yeah. Ouais. Couper un peu de bois. Vraiment que je me trouve un endroit peinard pour m'installer. J'utilise des capsocs uniquement dans mes entrées dramatiques. Bien trouvé. Bien trouvé. Là, il y a de la pierre. Oh, c'est génial. Il y aura plein de... C'est un tall bird ou un chien sauvage? Je ne préfère pas demander. C'est un tall bird. Eh merde! Mais je t'ai pas touché, mec. Max de cailloux. Je vais me faire des grosses barrières en pierre.
si possible, je vais. Ah, capacité maximum. Toc, si possible, je vais me trouver un endroit pour utiliser. Enfin, pour faire une serious machine. Et merde. Et directement un. Genre des problèmes de bois. Comment ça s'appelle? Un alchimie engine. Voilà. Faut vraiment que je me trouve un bon endroit. Et là, ça ressemble un peu à ce que j'avais. C'est peut-être pas le meilleur. On va essayer de monter par là. On va explorer. On va explorer. Ils attaquent jour 7, les chiens. Et à partir du jour 7, je vais commencer à galérer. Dont Starve, il est possible de fabriquer des cages à oiseaux, birdcage, dont l'utilité ne limite pas l'enrichissement esthétique de votre camp, comporte de nombreux avantages. Et quels sont-ils? Dis-nous tout. Vous avez un stock important de viande de monstre et vous ne savez pas quoi en faire, il suffit d'en cuire, de la faire sécher et de la donner à votre oiseau. Il vous donnera un œuf en échange. Rafraîchissez vos graines et œufs. Si vous avez des graines ou des œufs en train de pourrir, donnez-les à l'oiseau. Il vous redonne une version toute neuve. Notez que les œufs doivent être cuits. D'accord. Pas mal de choses à faire quand même. Il faudrait capturer un zozio. Et zut, il fait nuit. Alors, on va pouvoir faire à bouffer. Je veux cook. Et genre comme des bugs là. Tiens, je peux pas cuire. Peut-être parce que je l'ai posé sur le. Ceci était un chat du télé du téléachat breton. Exactement. Tu le dis avec la voix de téléachat. Ouais, rafraîchissez vos œufs. Non, rafraîchissez vos graines et vos œufs si vous avez des graines ou des œufs en train de pourrir. Donnez-les à l'oiseau. Il vous redonne une version cuite toute neuve. Une version toute neuve, pardon. Notez que les œufs doivent être cuits. Ouais, avec la viande de monstre, effectivement, tu peux choper de la bonne bouffe. Encore faut-il survivre lorsque tu trouves de la viande de monstre. J'arrive pas à faire cuire, c'est très étrange. C'est très très étrange. Allez, on va attendre le jour. Celui-là? Ah oui. C'est parce que c'était déjà cuit. C'est parce que je suis un idiot. Je suis tellement idiot. C'est marrant, le jeu il sauvegarde un peu quand il veut en fait. Ok, là c'est Krenios. Genre bien Krenios. Un homme cochon. Tout seul au milieu des bois. C'est ça, il sauvegarde quand il veut. Ouais. Je croyais qu'il sauvegardait genre tout le début des jours, mais en fait non, il sauvegarde un peu quand il veut. Ok, c'était pas vraiment le bon plan de venir par ici, j'ai l'impression. Quand on arrive au bout d'une forêt, et genre si on fout le feu à la forêt, il y a tout qui part en vrille. Oh oui, ça c'est un truc à essayer. C'est foutre le feu à la forêt. Des entrées pour le monde souterrain un peu partout. Bonne idée de foutre le feu à la forêt, ouais, c'est une super idée. Sauf que si je fais ça, je pense que. Disons qu'il va y avoir beaucoup de morts, y compris moi. C'est marrant de tout brûler, mais sans mourir, ouais. Après, je me dis peut-être que j'aurai besoin de cette forêt un jour. Bon, ça m'étonnerait, mais. Si
aussi à des chiens si je veux de la bouffe. Enfin, de la bouse. Des chiens. Des cochons, d'ailleurs. Allez, chie. Toc. Je crois que j'ai tourné un peu trop. Voilà. Merde, j'ai fait le con. C'est pas que je voulais passer. Tuer l'araignée. C'est gentil. Spider Gland, évidemment. Je peux que me heal avec. Ça sert à rien vu que j'étais pas. Ha. Il va se faire défoncer. J'observe. Alors, j'ai des trucs qui sont quand même sympas et qu'il faudrait que je garde. Ah non, mais il a bouffé la viande! Oh le salopard! Bon bah. Allez, casse-toi. Il a bouffé de la viande, saligo. Là, je vais me casser. Cannibale, exactement. Il a bouffé son copain. Oula. Ah, on dirait qu'il y a de l'herbe un peu plus normale à côté. Ah, attendez deux secondes, je vais boire un coup, il fait vraiment chaud. Ah la vache. Voilà, ouf. Ah ouais, c'est bête, dans l'autre partie j'avais trouvé le gnome pour le roi cochon. D'accord, on sait qu'il y a des pigsmen. On fatigue, ouais un peu, je veux dire que j'ai dû me lever tôt ce matin pour aller chercher des billets de train. Ah, c'était un peu casse-pied. Parce que du coup hier soir j'avais dit, ouais je finis à minuit. Sauf qu'évidemment 2 heures plus tard j'étais encore devant mon ordi à régler des trucs. Donc voilà, et quand il faut se lever tôt le lendemain matin, eh ben j'ai eu mal. Mais comme je vous ai promis d'avoir des lives jusqu'à minuit, eh ben je fais des lives jusqu'à minuit à partir de 21h. Donc je reste éveillé. Voilà. Il y a un chemin. Il y a un super chemin, sauf que le super chemin, il mène sur que dalle. Tac. Fait 38 chez moi dans mon salon qui. Oui, mon PC fixe est dans mon salon, d'accord. Moi, il est dans ma chambre. Oula, Hero of Time qui a un cadeau pour Bretz. Ouais, moi je sais pas combien il fait chez moi, mais c'est chaud. Vraiment que je me trouve un endroit sympa pour m'installer. Tiens d'ailleurs. Ouais, c'était comme ça. Quel est le meilleur endroit pour m'installer? Là-bas, c'est pas mal parce qu'il y a genre plein de buissons. Des buissons sauvages. Je suis pas très loin d'une plaine.
Je te déteste aussi, Hero of Time. Comment ça, c'est du Manu? Oh. J'aime les licornes et leurs jolies licornes. Ah, ouais, c'est bon. C'est bon. J'ai fini, je suis mort, je suis décédé. Je te dis pas merci, Hero of Time. Teste le wormhole. Ouais, peut-être que je vais essayer le wormhole. Mais ça fait pas baisser la sanity, le wormhole? Il va faire nuit d'ailleurs. Ça doit tenir pour la nuit, je pense. Ouais, ça fait baisser la sanity. Je suis où? Il y a un truc rose qui a disparu. Bah, ça fait baisser la sanity là, je suis à 53. J'étais pas à 53. Du coup, je commence à devenir un peu fou. Aha! Table de résurrection. D'accord, je suis où? Scarjaf, j'ai faim et il fait nuit, d'accord. Je pensais, j'ai plus eu l'impression. Une impression fausse, mais j'avais l'impression quand même. Après, on peut faire quelque chose que j'ai fait dans une autre partie. C'est se mettre, enfin faire le. Faire la base qui entoure un wormhole. Du coup, s'il y a les chiens, bah, je peux me barrer. Ouh, chaud. Je peux me barrer rapidement. D'accord, donc ce chemin-là mène ici. Il va me falloir des fleurs. Alors là, la question c'est où est-ce que je vais me mettre? Il faut vraiment que je commence à me poser. Ce qu'on peut faire, c'est servir de la. Oula! Killer Instinct qui. Bonjour Killer Instinct, Starfoula, hein, c'est temps. Oui, pas con l'astuce du wormhole pour les chiens, ouais. Surtout que là, c'est dans un corps. Dans un coin, donc j'allais dire un corner, mais ça c'est parce que je regarde trop de trucs en anglais. Je peux faire un truc comme ça. Je peux faire des barrières comme ça. En plus, j'ai énormément de pierres plus loin. Je peux aller chercher de la pierre, tac tac, je fais un truc comme ça. Ouais, c'est pas con, c'est pas con, c'est pas con. En plus, il y a l'air d'avoir pas mal de place. Je suis pas très loin. Toc. Bon, il me faudrait vraiment de chester ou des coffres ou je sais pas quelque chose. Ah, mais je suis bête. Ah, mais je peux pas encore faire le backpack. Ah, tu cherches, Hero of Time. Hein. Attention à la modération. Hein. Parce que j'ai le pouvoir de la Bansword. On va faire gaffe aux pingouins en hiver. Oui, effectivement, si j'ai un pingouin sauvage qui apparaît. Ah ouais, en plus j'ai pas mal de place. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va se faire un truc comme ça. On va se faire un truc comme ça. On va se faire le Fire Pit, je vais attendre la nuit. Science Machine. Déjà, on va virer l'arbre. Sauvage apparaît. Surtout, il spawn par groupe de 10 et tu oserais ban? Bah oui, si ça fout le bordel, oui. Et si ça porte atteinte à ma santé mentale, oui. Alors, attaque,
Oui, enfin, ça reste gentil, donc ça va. Hein. Reste 88. Super bien atteinte ma santé mentale. Oui, ça en avait remarqué. Perso, je trouve pas c'est un super emplacement pour un camp. Bah, bon, je trouve c'est pas mal, non? Parce que je suis pas très loin d'à peu près tout. Là, j'ai pas mal de ressources. Là aussi, si je veux du bois, bah, je vais ici. Si je veux des métaux précieux, je vais là. Si je veux de la pierre, je vais là. Si je veux de l'herbe, je vais là. Et peut-être que je trouverai un peu de la merde. Hein? Un jour peut-être. Indispensable. Alors, il faudrait des murs. Les murs, je les fais comment? C'est dans Survival. Je pense la même chose à toi. Ouais, on se calme les mecs, on se calme. On est là pour déconner et bon, on n'est pas là pour se prendre le chou, hein. Ok. Allez doucement. Rigolez bien. Structure, ouais, c'est ça. Stonewall. Ah, ça va, j'ai super chaud. Ouais, mais il va falloir beaucoup de pierres. Bon, alors. Je te conseille le désert pour avoir des buffalo qui produisent un fertilisant et où il y a plus de nids de lapins. Ouais, mais j'ai tout à côté, quoi. C'est pas très loin. C'est pas un problème, je pense. Quoi d'autre? Non, c'était en structure. C'est pas celui-là. Ah, il me faut une alchimie engine. C'est-à-dire qu'il me faut aussi des planches. Parce que je vais avoir assez de bois. Je crois que j'aurai jamais assez de bois pour cette nuit et pour le reste du temps. C'est vrai, les sont des cuillots qui n'ont plus la faire le grill. Ouais, c'est blague quand même. Ouais, mais là ça permet de s'enfuir s'il se fait attaquer par le chien et le life. Mais c'est sûr que c'est aussi un très bon lieu killer. Toc. Qui grandit sous mon nez. Ah, c'est vrai que j'ai ça à côté. Oh putain, et oh les mecs. C'est moi. Je suis tellement con que je me supporte plus. Pas dire ça, mais il faut juste arrêter de trop déconner des fois. Environ 300-400, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Bah, tu vois, moi, mon record c'est. Comment dire. 26, et je l'ai fini il y a pas longtemps. Genre, même pas une heure. L'arbre qui grandit, il fallait pas exciter. Oh oui, je l'excitais avec ma hache. Salut Carlito. Salut, salut. Il y a peu de monde qui regarde, mais ils participent tous pour t'aider, sauf pour faire le bêta. Bah, c'est cool. T'en fiche. Tant que ça gêne pas, c'est très bien. Alors, l'alchimie engine. C'est bon, l'alchimie engine. Moi, j'ai même pas osé y jouer. Et merde, c'est la nuit, j'ai pas fait gaffe. Et. Chaud. J'ai oublié de le faire.
Voilà, fire pit. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Ah, attendez. Blue mushroom? Qu'est-ce que ça fait que les blue mushrooms? Ce jeu a l'air dur et non, je ferai pas cette blague. Oui, bonsoir tout le monde, Zardoz le destructeur. Ça, c'est sympa comme pseudo, Zardoz le destructeur. Ah là là. Bonsoir Paris? Pourquoi bonsoir Paris? Faut que je le pose. Non, je peux pas le poser là. Attendez. Que je me cale bien. On va le caler là. Zardoz est parisien, non? Non, non, Zardoz n'est pas parisien. Ah, j'ai faim. J'ai faim et du coup... D'accord, donc... ça par contre, ça fait baisser la vie et la nourriture, donc ça c'est de la merde. Le mec en concert? Oula, je comprends pas tout ce que tu fais des fois. Il me faudrait un hammer. Ah, il manque des cailloux. Je sais pas par ici. Un village de pig, c'est très sécure. Ouais, bah, le village de pig, au cas où, il est loin là-haut, en fait. Il est pas à côté. Plus 20 boost, plus 12, santé. Santé moins 15. Non, sanity. Vie plus 20, bouffe plus 12,5, sanity moins 15. Ah oui, donc c'est un booster des deux. Genre, est-ce que ça va ce soir? Ah oui, d'accord. Est-ce que ça va ce soir, Paris? Allez, tout quitte. Donc il me faudrait des cailloux. Il me faudrait des cailloux. Ça tombe bien, je peux aller en chercher. C'est par là. Genre, est-ce que vous êtes chaud? J'ai l'impression qu'il y a deux conversations complètement différentes. Bah oui, bah ça arrive souvent sur les chats, non? Surtout quand il y a un peu de monde. Tu sais, il n'y a pas que des concerts à Paris. Oui, il y a aussi la Tour Eiffel. Après, je sais pas ce qu'il y a d'autre truc. Salut Maël 2109, enfin un français sur ce magnifique jeu. Parce qu'il n'y a pas de français qui le stream. Je pensais. Ah oui, si j'avais regardé, il n'y avait pas grand monde. Moi qui ai sur les autres qui font les. Bah, pff, franchement, t'as pas... y a pas besoin de 50 000 personnes hein, pour m'aider. Hein. Il y a des baguettes. Quoi? Il y a des baguettes? Un français sur ce magnifique jeu. Il y a des croissants. Ah oui, d'accord. Des baguettes et des croissants. Tu parles de Paris. À Paris, il y a la Tour Eiffel, des baguettes et des croissants et des concerts. Voilà, c'est tout. Paris, c'est juste ça. Et aussi des embouteillages sur le périph. Dans 5 secondes que j'en ai donné. Ah, tu sais, t'es pas obligé. Hein. Je peux me débrouiller maintenant. Paris égale baguette. Faudrait faire une équation genre Paris égale baguette plus Tour Eiffel plus croissant plus concert plus. Ah, je crois que j'ai assez de pierres. Alors, il a quoi de spécial ce perso? Ben, la nourriture. Il peut s'améliorer. La nourriture. Qu'est-ce que je voulais dire? La nourriture. Merde. Il peut manger de la nourriture avariée sans pénalité. Et par contre, il craint la pluie.
Normalement, le plush que tu as a 10% de chance de provoquer une explosion de fureur qui fera 2000% des dégâts de ton arme. Référence à Diablo. Champagne en verre cuit, moins 10, plus 15, 10 jours. Ouais, ok, bon, c'est des stats. Pire, les champignons, je pense que je vais pas trop m'en servir parce que. Parce que c'est un peu risqué, entre guillemets. Alors, ce qu'il fallait que c'était un hammer. Évidemment, il me faut encore deux. Rope. Donc, je te préviens, Maël, je suis très, 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 très nul sur ce jeu. Donc, je me fais coacher par Brez 88. Désolé, tu peux répéter. Il y a. Comment ça s'appelle? Ah, flûte. Bah, du coup, j'arrive pas à le répéter. Ah! J'ai oublié. Voilà, c'est toute la nourriture avariée, il peut la manger sans pénalité. Alors que les autres ont des pénalités. Et puis il craint la pluie en fait, il perd de la vie sous la pluie. Ce qui est très idiot. Donc, outils. Hop. Non, pff, encore planté. Il craint pas les éclairs, oui, mais c'est si facile que ça de se prendre un éclair sous la gueule dans le jeu. Ah d'accord, faudrait que je le déterre. Aïe! Bande d'abrutis! Voilà! Attendez, comment ça? Je prends encore de. Ah non, quand même pas. Ah si! Mais c'est censé me protéger! Écrit. C'est une équipe ou c'est. Paris égale baguette plus tour Eiffel plus pollution plus croissant plus métro. X vital égale endroit. J'ai acheté il y a 2 jours sur la PS4, SVP, pas de débat, genre oh mon dieu, je joue sur console, abonneur, enfer. Non, non, pff, moi je m'en fiche. D'ailleurs, il faut que je m'achète des consoles parce que il y a pas mal de jeux que j'aimerais faire qui sont toujours que sur console. Parce que ce qui est complètement débile, il y a des très bons jeux aussi sur console. Selon la théorie de la baguette, Paris, une fois aligné à partir de l'axe perpendiculaire à l'équateur, formerait une baguette une fois l'aller-retour parcouru. On a perdu Algonix. Parapluie, tu meurs et tu lis le chat. Oui, ben le parapluie, il est où? Il est censé par là. Surtout qu'il y a quand même marqué dry. Dry, c'est au sec. Et merde, en plus de ça, il fait nuit. Dry, c'est au sec, donc c'est censé me maintenir au sec. D'accord. Merci Maël, hein, merci Maël. Hein. T'es pas obligé, mais ouais, merci si ça te plaît. D'ailleurs, petite annonce, je ne serai pas en stream dans les prochains jours. Pff, je suis en train de me faire niquer par la pluie, quoi. Je ne serai pas en stream dans les prochains jours jusqu'à au moins dimanche parce que je prends 2-3 vacances. Voilà. Le chapeau est censé être cité, j'ai fondé ma vie sur rien. C'est ça, c'est toute ta vie qui était fondée sur quelque chose et au final, voilà. Ça s'est avéré être une grosse connerie. Donc il faudrait que j'éterre ça, mais pour ça il me faut une pelle. J'étais parti pour faire la pelle à la base. Ah, j'ai plus assez de petites brindilles. Il y a une dinde. Ah merde! On peut vraiment pas s'approcher de ce truc quoi. C'est toi qui finis tes carottes. J'ai plus beaucoup de nourriture. Tu fais pas de couronne de fleurs? Ça fait quoi la couronne de fleurs? Ah oui, d'accord, ça pour la sanity. Oh voilà, ça va en fait.
C'est parce que je sais pas jouer. Hein. Bonjour Max. 26 et je l'ai fait il y a même pas une heure. Voilà. Les parapluies réduisent les dégâts, ils ne les empêchent pas, l'échappée aussi. Ah d'accord, donc c'est bon à savoir, c'est que ça réduit, ça ne les empêche pas. Bon, en fait, je suppose que ça doit l'empêcher, mais pas autant qu'un parapluie. Logique. Genre, pas beaucoup de brindilles. Où est-ce qu'il y en a des brindilles? Ah ouais, j'avais pas fait gaffe, mais c'est pas le truc le plus courant ici, des brindilles. Ouais, je suis mort par le froid là. Je suis mort par le froid assez bêtement. J'ai pas encore trouvé de buffalo dans ce monde, du coup je suis un peu à la ramasse. Oh merde, je suis déjà jour 6. Oh la loose. C'est-à-dire qu'il va y avoir les chiens. Non. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je finisse mon mur. Parce que sinon je suis dans la caca. Mon mur. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse une pelle. Ouais, en gros, je suis pas waterproof. Exactement. Exactement. On m'a mal vendu cette marchandise. Donc, on va faire le tri. Il faudrait que j'englobe le wormhole. Pose-toi correctement. Voilà. Non merde. Ça va faire on va dire un coin de mur. Je vais galérer. Fais les réserves l'eau. Je mets dans le bon sens. Voilà. J'ai pas mis de patch FR. Non, j'ai mis aucun mod. Je préfère jouer au jeu. Sans mode au début. En plus, ça fait très longtemps que j'ai pas joué en fait à la base. J'ai rien mis du tout. Toc, il me faut plus grand chose. Toc. Non, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, ça on va acheter hein. Quand tu coupes des arbres plantes, tu réveilleras l'esprit de la forêt. Oui, je sais. Faudrait que je le fasse. Mais j'ai la flemme. Donc l'esprit de la forêt. Ouais, voilà. La référence à Star Wars? Où ça? Mais pas de référence. Après, ça fait longtemps que j'ai pas vu les Star Wars. Alors la question c'est, est-ce qu'on... Ouais, on peut passer par là quand même. On peut passer par là aussi. J'étais absent pendant une minute, je pige plus rien. Ok, là ça passe plus. Puis ça des. Les graines d'arbres, ça fait rien s'il apparaît. Référence à Star Wars 6. Je me souviens plus. À mon avis, tu réussiras même pas à le transformer en cure-dent. Donc, on va faire un truc comme ça. Donc, je vais me rebasculer dans la bonne vision. Voilà. Ah, le trou de ver.
Le trou de ver. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, la référence. Ah oui, le ver qui attaque le Faucon Millenium. Ah, d'accord. Ah oui, non, mais moi je pense. La référence plutôt, moi je pensais au trou de ver scientifique. Mais ces passages qui sont censés être des trous dans l'espace-temps. Tu dois mettre un autre fire pit de l'autre côté du trou et faire une micro-base. Oui, pas bête. Effectivement, pas bête, et je me rends compte que je suis en train de mourir de faim. Voilà. Et ça veut dire que j'ai plus beaucoup de nourriture. Demain, il faut que j'aille à la chasse à la nourriture. Voilà, donc c'est pas mal. S'il faudra. Je sais pas. Est-ce qu'il faudra que je continue d'améliorer ce mur? Je pense qu'il faudrait que j'améliore les murs. Faudrait que j'aille chercher du bois. Non, pas ouvert, je peux mettre l'image en lien. Oui, sauf que si je dois cliquer dessus, ça va faire crasher le stream, je pense. Parce qu'en fait, j'ai vraiment une connexion merdique au possible. Donc, bah, tu peux toujours essayer, mais. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Toc. Vas-y, mais ouais, je le verrai pas tout de suite. Ou tu verras sur la rediff sur YouTube, sur ma chaîne, je mets toutes les rediffusions. Sauf bien sûr les strikés. Hein? Et je le verrai là-bas. C'est pas un problème, vas-y mets-le. Les liens sont autorisés. Alors, ça me fait penser, j'ai du silk. Genre, est-ce que. Il faudrait que je règle le problème de nourriture. Il faudrait une basic farm. Oui, je vais morfler en hiver. Mon gros problème, c'est l'hiver. Bien sur le taux. Alors là, ah merde, je sais ce qu'il fallait que je qu'il me manquait. Spear, il me faut de la corde. Parce que là aujourd'hui, c'est les chiens. Et qui dit chien dit bordel. Je suis paumé, bah. Attends un peu, que tu comprennes. Eh merde. Tiens, tu veux que je plante des trucs? Non, j'ai dit planter. C'est bon? J'ai assez planté? T'es content, hein? Il est sérieux là. Oh les mecs, t'as vu tout ce que j'ai planté? Ouais, voilà esprit. Et toi de l'autre côté du trou de verre et tu te TP de la base dès que t'en vois un. Ah oui, pas bête, je vois ce que tu veux dire. Sauf que là j'ai plus de nourriture, je suis vraiment à court. Je vais mettre de l'autre côté du trou. Oui, je sais, tu m'avais prévenu, mais je peux pas faire autrement. En plus de ça, j'avais pas de train pris que ça. YOLO! L'esprit réapparaît, faut couper un arbre en dehors de son champ de vision. D'accord. Donc là, il y a la table de résurrection. Alors, encore les chiens. Il y en a forcément ce jour-là ou en fait ça peut arriver à partir de ce jour-là.
Ah, Sarlacc, le puits de Sarlacc, donc le. Ouais, là où il y a le. Il y a Boba Fett qui meurt. Ouais, je vois, je vois. Je vois. Je vois la référence. Effectivement, pour y penser, mais pas tant que ça, parce que c'est un. Une bestiole. Glou glou glou, ouais, c'est ça. Glou. Moi, j'appelle ça un glou glou, c'est dindon. Pas tant que ça, parce qu'au final, il n'y a pas exactement la même tête, le Sarlacc. Tiens, il y a le. Il y a l'éléphant. L'éléphant bizarre qui est dans le coin. Ma sanity, elle est bonne. Ici, il n'y a absolument rien du tout. Ce qui est assez incroyable. Alors. Don't Starve, le seul jeu au monde avec des Sarlacc et des dindons. Ouais, c'est ça. Mais là, ce qui me fait vraiment défaut, c'est la nourriture. Parce qu'il me faudrait énormément de bouse. Et en fait, il faudrait que j'aille ici pour voir s'il n'y a pas des buffalos. Ah. Là, je peux pas aujourd'hui parce qu'il y a des chiens. L'éléphant égale beaucoup de même. Oui, mais il faut arriver à tuer l'éléphant. Firestaff. Redhound. On est d'accord, hein, je m'y approche pas. Pinterest. Ah, mais je pourrais pas le voir tout de suite. Mal. Je pourrais pas le voir tout de suite. Ah, oui, d'accord. C'est pété en fait comme arbre. C'est genre super fort. Y a pas eu de chien. Je suis déçu. Sauf que là, je me pose des questions. Est-ce que je devrais pas rentrer chez moi plutôt? T'en auras pas. Hero of Time qui me nargue sur le chat avec d'émoticônes. Quand même pas banal. C'est quand même pas banal. Bon, en fait, là, ce que je cherche, c'est une hache. Alors, attendez, il fait vraiment chaud. Je vais boire un coup. Oh la vache. J'ai la fenêtre ouverte, mais avec un casque sur les oreilles. Et dans un fauteuil, il fait quand même vachement chaud. Puis avec le PC qui fait des watts à n'en plus finir. J'ai un peu de temps pour aller couper du bois. Vous essayez de mettre le maximum de nourriture possible? C'est bon, il y a tous les icônes là, les. Toutes les émoticônes possibles en nourriture. Sauf le. Je comprends pas pourquoi tu as mis le X. C'est pas de la nourriture. Du poivron. Ah non, c'est du piment. J'ai faim de tout. Bah, si tu veux, tu peux aller chercher à bouffer, hein. T'as droit. Moi, je suis un peu occupé à faire un stream. Et toi, tu fais que tu n'es que spectateur, donc tu peux aller tranquillement aller chercher à manger. Tac. Oui, bon, c'est bon, Hero of Time, je crois qu'on a compris. Et merde, il fait nuit. Ah, mais j'avais déjà une torche.
J'avais déjà une torche, quel abruti. Faudrait que je capture des lucioles, ça fait des sources de lumière. Tranquille, non, c'est ça? Toc. La nourriture, je veux plein de nourriture. Donnez-moi de la bouffe. Ok, estomac c'est bon. Allez, on file chercher de la bouse. C'est vraiment le plus important maintenant. J'ai de la nourriture, j'ai... ouais, c'est ça, j'ai un peu de nourriture. On file chercher de la bouse. D'accord. Un éléphant. Qu'est-ce que c'est que ça? Du miel! Du coup, il m'attaque là ou pas? Oh! Mais il est tellement sympa le mec qui m'a... Vous avez vu ça? Ah ça c'était sympa. Tac, j'ai pété la torche. Tool Stinger, avec ça je crois que je peux faire des pièges, non? C'est pas ça? Les lucioles sont des insectes qui produisent de la lumière et qui apparaissent dans la nuit dans les biomes forêts et prairies. Elles peuvent être capturées grâce à des filets insectes, ouais d'accord. Comme elles ne réapparaissent pas, elles sont une ressource finie. Elles permettent de fabriquer une lanterne citrouille et le casque de mineur. Simplifié par 40, se diriger à la lumière des lucioles permet de réaliser qu'il faudra la grue pour vous attaquer. Car les lucioles disparaissent dès que vous approchez trop près. Relâchez les lucioles vers votre camp. Ou vers des points stratégiques peut être plus pratique puisque elles marqueront l'endroit par leur lumière. D'accord. La vie est nulle. Pourquoi tu dis ça, Maël, voyons? Pas dire ça. Apprendre sans des prébis. Tac, des berries. Il faudrait vraiment, vraiment que je me trouve Chester, histoire d'avoir un peu plus de place. Parce que là, je suis à la ramasse. Pourquoi il n'a pas mis le lien vers le wiki? Bah tout simplement parce que je peux pas le lire. T'as pas vu le com que je viens de mettre? J'ai pas fait gaffe. Excusez-moi si j'ai loupé des trucs. Attendez. Qu'est-ce que tu m'as mis? Ah, le Pinterest? Mais je peux pas lire les liens. Si je lis un lien, vous perdez le stream tellement j'ai une connexion merdique. Je peux pas toucher au lien. Si c'est le lien dont tu parlais, je peux pas y toucher. On va virer le blue cap, hein, voilà, hop. Je cherche des buffalo. On peut essayer par là-bas. Suivre la route. Avec mon petit chapeau, tout ça, je suis nickel. Non, tu l'as eu sur écran. Ah bon? Bon, attendez. Bah, je l'ai pas vu passer. Il y est pas, hein. Je crois que personne l'a vu. Ah bah il a peut-être sauté, hein. Des fois Twitch il coupe des messages. Non il est pas affiché, pas mal tu vois. Bon alors, pas de zone à Bifalo en vue, ce qui m'énerve au plus haut point. À l'instant, j'ai mis toutes les émoticônes. Bah, peut-être que c'était trop grand. Et puis, ça fait un peu du spam là, mettre toutes les émoticônes. C'est bon, les mecs. Hein.
que c'est un type de ou 7, ça bloque. Voilà. Donc c'est Twitch qui bloque. Sinon après c'est des, fait des trop gros messages et ça spam bien. Ce qui est pas forcément sympa. Bryce 88 il pose des pavés mais c'est pour m'aider et c'est du wiki parce que je peux pas le regarder. Mais sinon évitez trop les pavés, ça fait un peu voilà, évitez les caps lock, les pavés, les messages haineux, tout ça. Soyez sympa, on est là pour s'amuser, pour être peinard, pas pour se prendre le chou. Voilà. Ça c'est dit. Et c'est fait. Par où je vais aller? Parce que là, je suis en train de faire toutes les lignes. Oh. Ce qui m'embête le plus, c'est que j'ai vraiment pas de buffalo. Faut que je descende. Je vais peut-être voir s'il n'y a pas quelque chose. Les enfants, rappelez-vous, le spam, c'est mal. Dit celui qui a posté plein de commentaires d'affilée. Enfin, commentaires, de messages d'affilée. C'est pas bien le spam. Bah si tu veux préserver la... un stream tranquillou, c'est... vaut mieux. Alors, j'ai des problèmes avec les buffalo. C'est l'heure du spam. Non. Non, 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 non. Attention, je banne ceux qui s'amusent à faire ça. Non. Non, vous amusez pas à faire ça, les mecs. Vous seriez 500, ok. Mais là, vous êtes combien? Vous êtes pas si... Ouais, vous êtes pas mal, déjà. Vous êtes pas non plus énormément, donc bon. Allez-y, mollo. Oh, m'embête de pas trouver des putains de buffalo. Oh, il fait chaud. Il fait tellement chaud ici. Infernal. Je vais pas arriver à dormir. Alors, j'ai absolument rien trouvé. J'ai exploré un max de la carte, mais j'ai absolument rien trouvé d'intéressant. On peut même tuer les couler. Ah, si, si, si. Moi, je dis suicide-toi. On se calme, on se calme. Attaque. Georges l'attaque et je vais le foutre dans le machin. Bon, sérieux, je suis pas un gros spammer, moi au moins je vise personne. Donc au final, pas de chien, je m'attendais à avoir les chiens. Mais non. Il fait nuit. Alors ça, je crois que ça sert pour les... pour les trucs d'attaque. Sleep dart. Ah d'accord, c'est pour endormir. Fire dart. Blow dart. Ça sert à rien d'autre les... Toxin present. Je suis tellement fatigué. Eh ben va te coucher. T'exploses pas la vie non plus. Ouais, c'est l'heure de préparer à bouffer. Des spammers. Musique de révélation. Non, tu peux pas? Bon, bah voilà. Je crois que ça ressort de la ville, honey. Je vais attendre un peu.
l'utiliser. Alors, comme je peux pas faire de nourriture, ce qui m'embête, que je peux pas faire de ferme, pardon, ce qui m'embête vachement, je sais pas qu'est-ce que je peux faire. Par où je peux aller? Là-bas? On va essayer d'aller là-bas. J'ai été dessiné aujourd'hui. Je sais, on s'en fout. Ah bah ça dépend de ce que t'es allé voir. Moi je suis très friand de films, de séries, d'animés, tout ça. Donc, j'adore en discuter. Prochainement, il faut que j'aille voir les 4 fantastiques parce qu'il paraît qu'il est horrible. Sauf que je me demande s'il est possible de faire quelque chose de pire que les deux films qui ont été faits en 2003 et 2005. Ant-Man, ah, il est cool, il est franchement cool, je l'ai bien aimé. C'est un Marvel pas comme les autres, je l'ai vraiment bien aimé. C'est un Marvel qui ressemble pas à un Marvel, mais en même temps qui ressemble à un Marvel. Il peut pas dormir car il y aura un complot dans 1 heure, d'accord. Avec les triangles d'Illuminati. Où est-ce qu'il pourrait y avoir des buffalos? Infernal. Marvelception. Exactement, Marvelception. Donc un non-Marvel, Marvel. Ouais, c'est ça. Ben, en soi, c'est un film qui parle d'un casse. D'un casse, donc, c'est-à-dire de. J'entends par là casse, pétage de banque ou le truc comme ça. Hein. Qui parle d'un casse et en même temps d'un truc qui pourrait ressembler à un film sur la vie familiale. Vous savez, les films d'auteurs français à la ferme où le mec il vend tôle et que du coup ça se parle dans tout le village et que du coup la fille elle veut plus à lui. Enfin, sa fille elle est donnée à quelqu'un d'autre ou des trucs comme ça. Donc au départ tu te dis mais c'est quoi ce Marvel, il n'y a pas de super-héros, mais en fait au final ça passe très 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 bien, c'est très bien géré. Oh oui, il y a peut-être des buffalos par là. Non, il braque pas, il cambriole. Bah, c'est bien ce que je dis, il fait des casses. Les casses, c'est pas du braquage. Oui! De la merde! Je cherchais de la merde, la voilà. M'en faut plus. Tu penses changer ta bannière WoW? Ben non, parce que j'aime bien World of Warcraft. J'ai repris un abonnement, peinard, et en ce moment. Et je m'amuse bien dessus. Ou alors, faudrait arriver à me faire une bannière, parce que je suis très nul en graphisme. Si quelqu'un se sent me faire un avatar, une bannière pour mon compte YouTube, pour ma chaîne Marvel ou des trucs comme ça, il est le bienvenu. Hein. La scène du tank ou celle du faucon? Oui, totalement. En fait, c'est très étrange ce film parce que ça change totalement d'échelle. D'habitude, un film Marvel, quand ça parle de super-héros, ça parle évidemment de sauver le monde, il y a des explosions partout, il y a une ville qui est à moitié réduite en cendres ou des trucs comme ça. Et là, comme c'est un super-héros qui peut rétrécir, et ben du coup en fait tout ce que ça fait comme destruction, bah c'est tout rikiki, mais en même temps il sauve le monde. C'est très bizarre, mais c'est très très bien fait, j'ai adoré. Qui fait une bannière pour toute ta chaîne Marvel? Oui, il faut faire un truc qui est en rapport avec le jeu vidéo, non? Peut-être, non? Piou. Alors, y a-t-il pas un peu plus de merde par là? Ah si. Avec tout ça, je pourrais me faire des champs. Plein de champs. Ah là là. Il m'en faudrait plus. Chlore à la merde.
Si tu veux, je teste, mais il faudra me dire un message privé ou mon Skype ou mon YouTubeur. Le God Poop, ouais, c'est ça. Ah bah, pff, non, bah, tout ce que tu fais, si tu fais une image, tu l'héberges sur un hébergeur d'image et tu me l'envoies sur un stream. Dès que je fais un stream, tu l'envoies ou sur un commentaire de vidéo et je vais la voir et je te dis c'est bon. Hein. On peut faire ça comme ça, hein, ça sera plus simple. Formeront la secte des chapeaux et de la merde. Ah ouais, y a mieux quand même comme secte. Enfin, en tout cas, comme nom de secte, il y a quand même largement mieux, je pense. Secte des chapeaux et de la merde. Ok, de quel jeu? Ah bah. Tu peux faire des mélanges, hein, tu sais. Tu peux faire des mélanges. Tu as vu ce que. Tu vois sur ma chaîne tous les jeux auxquels je joue. Bah, il y en a beaucoup plus, bien sûr. Mais voilà, tu peux t'inspirer de ça, faire des petits mix. Vous êtes totalement libre, restez dans le thème jeu vidéo et de la chaîne, et puis ça passe bien. Gloire au God Hat et au God Poop. Il faut bien God quelque chose sur tous les chats. Alors, je rentre chez moi parce que là. Salut, Papa Chef. Papa Chef, ça c'est un pseudo, je m'attendais pas à le voir, tiens. Papa Chef. Comment ça va, Papa Chef? Et merde, je suis pas au bon endroit du tout. Donc là, ça sent la mort. Non, ça sent pas la mort quand même. Pas loin de chez moi. Ah ouais, en fait, je suis pas retourné. Toc. Alors, faisons cuire. Nourriture, je peux faire des farms. Qu'est-ce qui est le plus rentable, celui-là ou celui-là? C'est qui live? Bah, c'est moi. C'est écrit sur le live. Lequel est le mieux? Mais c'est qui? Bah, je suis un youtubeur de YouTube. Hein. Je fais du let's play principalement. Le lien est dans la description. Hein. Je suis pas quelqu'un de très connu, hein, un peu plus de 1000 abonnés, mais voilà, je m'éclate bien à faire ce genre de truc. Donc voilà. Petite biographie, non? Bah, il doit y avoir une biographie sur mon Twitch. Même si je crois que je l'ai pas mis à jour depuis très longtemps. On va faire des bagages de farm. Lisez la putain de description d'outils Zardos de Destructeur. Bah oui, c'est vrai. C'est un youtubeur de YouTube. Oui, c'est très important de préciser. Je suis un youtubeur de YouTube, attention. C'est sympa les mecs qui est comme. Ah bah, c'est sûr que j'ai pas 500 personnes qui me spam, donc. Je peux lire les commentaires. C'est ça qui est bien. Ah, j'ai plus assez de. Streamer, youtubeur. Bah, je suis un youtubeur de base et après je stream de temps en temps. Là, comme c'est l'été et qu'il n'y a personne chez moi et que je suis peinard, du coup je peux streamer sans problème. Parce que d'habitude je peux pas à cause de ma connexion pourrie. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Le lien sur le live ou le chat, bah, il est juste dans la description de la vidéo. Hein. Enfin, juste en dessous de la vidéo, en dessous de la chaîne, il y a le lien vers ma chaîne YouTube.
Ah, c'est vrai que j'oublie toujours. Tu veux pas te démerder avec cela? Alors, je sais pas ce qu'il fait, il est pas censé ne pas bouger en fait quand on plante des trucs. Ça se trouve, non. D'accord, parce que t'as vite. Mais tu sais, les slash. Les chuchotements sur le chat, du coup, tout le monde les voit. Oui, il fait du XCOM. Ouais, je fais du XCOM de temps en temps. Pas sur le... pas en live, parce que évidemment, j'ai la série en cours. Donc ça fait un peu redondant. Mais je fais du XCOM. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Il peut bouger, être non agressif et tuer les bêtes autour de lui. Ok, bah c'est pas mal en fait. Si genre on pouvait l'amener ici et qu'il se démerde avec toutes les abeilles, ça serait cool. Alors, là il faudrait que je plante des graines. On va planter des graines là-dedans. Je crois que c'est une graine par ferme, ce qui est complètement ridicule. Casque qui fait mal avec la chaleur. Ah, alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce que j'ai posé des fermes, j'ai posé des murs. Il faut que je me prépare à l'hiver. Autant se préparer à l'hiver maintenant. Comme ça, je serai moins pris au dépourvu que dans la partie précédente. Créons le love the tree, le hashtag love the tree. Ça fait un peu les. Comment ça s'appelle? Les hashtags écolo. Tu connaissais pas le jeu, c'est quoi le nom déjà? Bah, c'est écrit juste au-dessus du stream, hein, si tu cherches les noms hein, de jeux. C'est Don't Starve. Je joue sans aucun DLC d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs DLC qui existent. Donc voilà. Donc, c'est quoi? C'est dans Survival. Non, c'est pas dans Survival. Si, c'est peut-être dans Survival. Thermal Stone, voilà. Donc, il faut encore de la pierre. Est-ce que je peux aller chercher de la pierre pas loin? Il y a de la pierre pas loin? Oui, il y a de la pierre pas loin. Mais je vais jamais avoir assez de. Pioche. Voilà. Les cailloux. Les cailloux. Donc, ouais, ça va. Je regarde les ressources. Faudrait que je fasse un coffre. Je vais faire un coffre. Parce que là, j'ai trop de merdouille. J'ai bien trop de trucs qui servent à rien. C'est où le coffre? Chest. Il faut 3 planches, 3 planches qui coûtent super cher. J'aurais jamais assez. J'aurais jamais assez. La secte des chapeaux et de la merde. Oh non, je veux pas être directeur d'une secte, moi. Là, c'est clair. Le signe. Ouais. Allez. Ça sert à rien. Je vais le mettre quelque part.
Il est passé où le signe? Je t'ai fait moi? Ah merde! Il est passé où? Où est mon... Il est où? Elle a disparu? C'est pas censé être possible ça. L'objet a juste littéralement disparu. J'ai les boules. Bah merde alors. Embêtant. Le panneau est mort, c'est ça. Le panneau est mort, mais il est mort et enterré, mais c'est très étrange parce que je l'ai pas vu passer quoi. Mais merde. Il est pas dans ma barre. Je l'ai pas posé, je l'aurais vu. Juste disparu comme ça, spontanément, il a disparu. Bon alors, monsieur l'esprit de la forêt, est-ce que tu peux aller me laisser tranquille parce que je vais couper du bois? Non, je vais pas me recoltiner encore une fois les abeilles rouges. Je suis pas fou. RIP panneau. C'est ça. 11-08-2015, 11-08-2015. Voilà. Coupe d'autres sortes de bois. Parce qu'il y a d'autres sortes de bois. C'est pas tous les mêmes arbres. Je suis son fossoyeur. Ah. Plus de... Next. Chaîne, etc. Ah d'accord. On dirait que je fais des dégâts quand je pose des trucs. T'es sérieux là? T'as vu tout ce que j'ai posé? T'es même pas fou. Putain. Voilà, je t'ai calmé, c'est bon. C'est de l'érable, peut-être que tu auras du sirop. Ouais. J'ai plus le jeu, je passe mon temps à raconter n'importe quoi. Ça, j'avais remarqué. Voilà, ça va te calmer. Il y a d'autres arbres. Jamais vu d'autres arbres, c'est toujours des arbres comme ça que j'ai vu. Alors. Ah merde. Les chiens. Et les chiens. J'entends les chiens. J'ai jamais vu d'autres sortes d'arbres. Non, attendez. Toc. Est-ce que ça reste toujours des sapins là, un peu partout? Ou c'est peut-être... Ah, je sais, c'est dans les niveaux supérieurs, aventure, tout ça. Dans le mode aventure, c'est ça? Ma chaîne secondaire s'appellera le fossoyeur d'humour. Pas le fossoyeur de film, c'est le fossoyeur. Ça part, arbre épineux, arbre touffu, d'accord. Bon, il y a les chiens. Comment je gérerai mon truc? Est-ce qu'ils peuvent passer par là?
Le boulot, c'est Roger. Ah, d'accord, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas. Something is coming. C'est pas Winter is coming, non, non, c'est Something is coming. Je vais essayer de planter ce panneau d'abord. Alors, ROG, c'est Radio Giant. You are here. Est-ce que là, je suis protégé avant qu'ils arrivent? Ou je suis pas protégé du tout? Alors, si je me mets là, est-ce que je suis protégé? D'accord, toi tu viens protéger. YOLO! D'accord, en fait je peux les taper au travers. Et eux aussi. Ok, ils m'ont fait un peu moins mal. Pour les armes, le système de points invisibles existe. Plus tu coupes d'armes à la suite, plus ces points augmentent. Arrivé à un certain seuil, un arbre prend vie pour défendre les autres en quelque sorte. Il faut donc couper les armes avec modération. Il faut replanter les armes pour le calmer ou tout simplement pour qu'il n'apparaisse pas. You are here. Merci Captain Obvious. C'est exactement ça. Mais je pense que si un jour je fais un court-métrage ou un truc comme ça, je suis sûr que je mets un panneau avec écrit « Vous êtes ici ». C'est tellement génial ce genre de truc. Alors, la viande de montre. J'étais parti à la base pour me faire un coffre. J'étais parti à la base pour me faire un coffre. Au final, j'ai fait un panneau avec écrit « Vous êtes ici ». J'aurais aimé pouvoir écrire des trucs sur le panneau quand même. C'est dommage. C'est dans survival ça, non? Non, non, c'est dans structure. Chest, trois planches. Non, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Ah, et ça commence à jeter des ressources par la fenêtre. Répare tes murs. Ouais, je pense qu'il faudrait que je fasse ça. J'ai plus de place? Attendez. Ah mais merde, il y a déjà le... Si tu tues les arbres défenseurs, ça te fait encore plus de points. D'accord. Donc mauvaise idée quoi. Bon. Jeter les ressources par la fenêtre, c'est ce que je fais. C'est... Ridicule. Ok, donc là j'ai des gros problèmes de stockage. On va essayer de gérer ça un peu mieux. On va essayer de gérer ça un peu mieux. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien non plus. Ça me sert à rien non plus. Ça va me servir. Au contraire, il faut que je fasse une dernière ferme. Il fait nuit. Il fait nuit, des ajouts chantent. Non, c'est pas ça. Actuel, voilà. Store, pick up corn. Voilà, du corn. Aussi, en nourriture, il faut que je me fasse un crockpot qui nécessite de la pierre, du bois. Donc il faut que j'aille chercher de la pierre pour réparer mes murs. Faire la cutstone. Donc j'ai pris moins cher qu'avant. Donc déjà, c'est une meilleure idée. Moins cher qu'avant, c'est pas mal. Donc il me faut du bois, de la pierre, il me faut beaucoup de choses en fait. Concernant les champs, il me faut encore un champ comme ça, il me faut un peu plus de bois. Ok. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre dedans? Ah, ça va. J'ai une grasse soute. Touche à la grasse soute. Ah oui, je crois que je l'ai récupéré sur un cadavre. Non, c'est faux, dès que tu boutes de l'argent, il te refout les points à zéro. D'accord. Ok. Oui, c'est logique. En fait, tu butes le boss et bon. Il te laisse tranquille.
Alors, je suis jour 12. Dinner of time. Papa chef de cuisine, préparer le poulet frit. Faudrait que je reprenne tes arbres. Je pense que je vais replanter à chaque fois les arbres. Faire descendre un peu le niveau. Les selles rotures de poulet. J'opte plus pour les moules frites en mer. Pas bête. Attends, les moules frites, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on mixait les moules et les frites. Parce que c'est quand même pas des trucs qui à la base sont vachement ensemble. Alors, donc il fallait de la pierre aussi, il fallait de la pierre. Pierre présent, pardon, c'était obligé. Coucou. Enlève les souches, ça te baisse des points. Ah d'accord, bon bah on va pelleter les souches, en plus ça fait du bois. Tac. Une citron pour le mal de mer. Ouais. Pierre, oui. Pierre présent. Ah là là, le film grrr, tellement qui vole tellement haut. Non, c'est rrr, pas grrr. Mais il est toujours très drôle. Alors, il faut de la pierraille. Il faut de la pierraille. Ensuite, il faudra que je me fasse un frigo pour garder un petit peu les... Du citron pour le scorbut. Ouais, c'est ça. Le scorbut, en fait, c'est un manque de vitamine... De vitamine C, je crois. Du coup, t'as les dents qui tombent ou des trucs comme ça. Et pour prévenir ça, il faut manger des agrumes essentiellement en mer. Donc c'est pour ça qu'ils emportent beaucoup d'agrumes. Parce que ça en contient beaucoup. Le citron y compris. Pour prévenir du scorbut, du coup. Et ça touchait énormément de navigateurs au moment des grandes navigations lorsqu'ils allaient en Amérique pour les premières fois. La bouffe, ça sert à rien avec ce perso. Bah ben, un peu quand même, parce que si on a des trucs comme ça, ça se périme complètement, j'ai un peu les boules quoi. Et puis le frigo, c'est un espace de stockage supplémentaire, au pire. C'est pas si horrible que ça. Ça peut me servir. Il y a un tall bird. Careful. Bon, dans tout ça, j'ai absolument rien trouvé d'intéressant. J'ai pas trouvé de Chester, j'ai pas trouvé les things, les équipements things. Donc je peux même pas accéder au mode aventure. Donc pour l'instant, je me traîne quoi. Complètement. C'est la loose. Bon, le Tollbird, t'es gentil, tu me laisses tranquille. Je s'appelle nom de ça, à ton avis, la bouffe peut être importante. Oui, mais comme il y a des persos différents, peut-être que t'as un perso où la bouffe n'est pas importante et d'autres choses. Voilà, donc c'est pas si étrange que ça. Parce que là, c'est pas le perso de base. Coucou, comment tu vas toi? Ça va? Très drôle.
En plus, il y a pas mal de lapins. Faudrait que je fasse des pièges pour la. J'ai plein de trucs à faire en fait. Pour l'hiver. C'est quel jour? 21, c'est ça l'hiver, hein. Je sais pas où je vais le mettre. Je me suis mal calé quand même. Je vais piller votre bateau, héros, à l'abordage. 21. Donc il me reste 9 jours. 9 jours pour arriver à faire une. Un truc potable ici. Que ce soit un frigo, une. Protection from strike. On s'en fiche de ça. Gunpowder. A handful of gunpowder. Ok. Rhénomètre. Mother upon air. C'est une mutinerie. Toc, on restaure. Armer les canons. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs sur le chat? Ah, pas plus que 4, en même temps il est tard. Non, tu te casses, voilà. C'est dans. Ah merde, il fait nuit. Et la foudre peut brûler les coffres. Ah. C'est pas très sympa là. C'est une brûle des coffres. Attendez, on va refine. Armée de robots. Moi j'ai mon poulpe qui cuit, alors faites pas chier. Il y a Papa Chef qui est en train de faire cuire son poulpe. Toc, des stone wall pour les murs. Ah, faut que je fasse la nourriture. J'ai encore caché de la bouffe. Voilà, donc, les Stone Wall. Bien protéger mon truc. On peut pas repair plus? Je pensais qu'on pouvait repair. Des bons gros murs. Attends, d'être tranquille. C'est le bordel sur le chat. Je sais pas ce que vous faites. Alors, à la base, j'étais parti pour faire autre chose. Et dans food. Crockpot, évidemment. Je crois que j'ai. Ah non, j'ai quand même pas claqué toute ma stone. Donc il m'en faut 3. Il faut du charbon. En tant que modérateur, je vous demande d'arrêter de dire la main. Mais t'es pas modérateur, Zardoz. T'as pas la bad sword. C'est vrai que j'ai faim, mais je crève la dalle. Modo. Non mais genre si je fais ça. Ah non ça marche pas. Comment je fais pour mettre modo? Ah je crois qu'il faut que j'active des comptes ou des trucs comme ça. C'est. Je sais pas comment on fait. Bon, c'est pas grave. Je t'acquitte presque très vite. Sais pas comment on met modo, tiens, il faudrait que je regarde. Que ça implique d'aller sur internet, si je vais sur internet. Ça va être la merde.
baptisé mon poulpe aux frites de baleine, le RIP louf. Quoi? Ok, d'accord. Merde, j'étais parti pour faire ça, donc ça veut dire qu'il faut que je foute le feu. Ce poulpe est fade, mettez-moi du sel. Je vais virer la pêche à 100%. Allez, brûlez tout! C'est bon? Zut, c'est ça, c'est une hache qu'il me faut. Attends, j'ai mis du citron dans mon poulpe. J'ai pas de place! J'ai pas de place! Tiens, sur une barre. Qui compte pas le guide de son endroit. Effectivement, là, si c'est une kit, si une guide, un peu compliqué de le cliquer. Bon, après, je vais me débrouiller pour l'instant. Virez-moi ces pirates. Ce chat est en train de partir en couille. Parce qu'il est tard. Ok, je fous le feu. Cours de poudre, on va se battre. Du charcoal. Tac. Ah oui, slash mode pseudo. Allez, c'est genre, je fais ça. Avec un grand Z. Ouais, c'est bien ça. Ça marche bien. Genre, la cisardose, il écrit, il doit avoir la bonne sword. À l'aide. C'est ça. C'est bon, vous avez fini là? Ok, bon, je peux récupérer. Je te tire. Ça part un peu en couille ce chat. Alors. Ici, je crois que j'ai assez pour faire mon cooking pot, une aubergine et je sais pas quoi. Bon, par contre, j'ai pas assez de place. Crockpot, où est-ce que je te mets? Côté du panneau, vous êtes ici. Alors, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Est-ce que ça je peux mettre dedans? Non. Du miel. Je mets tout et n'importe quoi dedans, c'est abusé. Tac. Il y a quelque chose là. Est-ce que je peux faire une... pêche, une canne à pêche dans survival? Non, il m'en faut une deuxième. Ah. Il m'en faut une deuxième que je n'ai pas. Merde. Oups. Alors, ne jamais s'étirer pendant qu'on... Merde, faut jamais s'étirer pendant qu'on joue. Oh
Oh la merde. Ah oui, du coup, ah d'accord, c'est ça la super puissance là. Ah oui, ah oui, d'accord. Donc là, si je vais sur la route. Oh mon dieu, qu'est-ce que je vais super vite! Il est là le wormhole. Ok, je me suis étiré, j'ai baissé mon attention, du coup, bah voilà. Tout perdu. Bon. Alors, du coup, je suis bien niqué au niveau de la cervelle, tout ça. Je suis full. Ha. Toc. Bon là je lis même plus le chat, hein. J'ai l'impression que vous êtes parti très très loin. Modo. Ça y est, il a la Bansword. Attention les gars. Au revoir mon capitaine. Attention les mecs, hein. Avec vos conneries, vous allez vous faire kicker. Je ne contrôle plus Ardoz. Bon, c'est un pote. Hein. C'est un pote à moi, c'est un peu pour ça que je vais filer le modo. Bon, par contre, jusqu'à quand je suis... Ils sont bizarres les lapins. Je crois que je suis un peu niqué. Au niveau de la sanity. Il faut des fleurs. Oh, putain, Ardoz. Le premier qui l'ouvre, je le kick. Ah, mais sur un chat, ça va être compliqué. Non, je rigole. Il n'y a plus de fleurs. Alors au moment où je cherche des fleurs, il n'y en a plus. Faites chier les gars. Enfin bon, c'est un peu de la merde les Ardoz. Ça dure super longtemps la surcharge. Ah d'accord. Donc, moi je cherche des fleurs. Sinon je vais mourir de folie. Je crois qu'il y en avait, mais genre plutôt par là. Donc je vais retourner là-bas. Oh là là. C'est pas la porte à côté. Non, c'est par là. Wormhole. Alors, on va chercher ces fleurs. Il y en a devant moi et je les ramasse même pas. Voilà. La surcharge est finie. Faut quelques fleurs encore. Que
bientôt plus rien y voir. Gagneur ami, j'ai tritique deux fois. C'est pas tout, puisqu'à chaque foudrement, vous voyez que c'est soigné de 100 points de vie et perd 33 points de santé mentale. La durée de l'effet est générée aléatoirement. Ça varie de 4 à 8 minutes. Une demi-journée à un jour. Ah ouais, quand même. Je crois que j'ai eu la demi-journée. J'ai eu le minimum, quoi. En mode pas de chance, comme d'hab. J'ai une Nightmare Fuel, c'est pour les la magie, ça, je crois. Donc il va faire bientôt nuit, il faut que je rentre chez moi. Alors, c'est par où? C'est par là. Je l'ai mis trop tôt, bon c'est pas grave. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut encore que je fasse un... l'icebox, non je peux pas la faire maintenant. C'est dans... Non, pas dans science, c'est dans structure je crois. Pas dans structure non plus, putain, où est-ce que c'est? Ah, je me paume tout le temps. Non, dans survival, thermal stone. Ah, il me manque une pioche. C'est con, je crois que j'ai largué une pioche à 6% quelque part. Donc ça remontait pas beaucoup. Un peu tout ça. Voilà. On va attendre le jour. Je vais chercher la pioche que j'ai laissée toute seule. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eggplant. Je vais mettre la Soulless. Nightmare Fuel, pardon. Je vais dire Soulless. Pourquoi Soulless? Je sais pas. Je vais mettre la Soulless. Nightmare Fuel plus loin. Merci à Céline de m'avoir fait grand-compte. Non, mais là, les mecs, vous êtes partis tellement loin que je vous lis même plus. Je vous lis même plus. Hop, ça pour les fermes. Et il y a la pioche. Il y a plein de trucs qu'il faudrait que je ramasse si j'avais un deuxième. Une deuxième toile d'araignée. Ça serait cool. Ça serait très très cool. Là cet après-midi, je suis passé sur un stream. Et c'était le stream d'une nana qui parlait en anglais. Hein. Elle était à son 1500e jour et des patates. Là, je comprenais pas. Hein. Là, pour le coup, je sais pas comment elle faisait pour tenir autant de temps. Mais c'était clairement abusé. Tu vas te renseigner sur la pêche? Bah ouais, mais de toute façon je pourrais pas pêcher tout de suite, il me faudrait de la soie et j'ai pas assez de toile d'araignée, j'en ai qu'une. Il m'en faut deux, évidemment. Mmh. Ça m'éviterait de faire des trucs genre la pioche. Non, la pioche, c'est dans survival. Je suis trop loin.
Ah merde, je l'ai pas déséquipé. D'accord, on peut en activer qu'un à chaque fois. Le record, c'est 98 000 jours en guerre. En Reign of Giant. Oh la vache. 98 000 jours, mais 98 000 jours, bah c'est. Déjà, faut arriver à rester suffisamment de temps pour faire les 90 000 jours. Oups. Je prends des dégâts. Tu peux pêcher 9 fois avec la canne à pêche. 9 fois seulement? Oh lolo. C'est ridicule. Il faudrait que je fasse des trappes. On va faire des trappes. Placez-vous sur la rive d'un étang avec votre canne à pêche. Faites un clic gauche. Étant entendu que la canne à pêche se tord à ce moment, cliquez à nouveau. Ouais, d'accord. Ça marche comme toutes les cannes à pêche dans tous les jeux vidéo en fait. On va ranger ensemble. Un truc qu'il faut vraiment que je range ensemble. Il n'y avait personne. Il est mort. Je te contourne le lapin, je te contourne. Voilà. D'accord. Il est dans son trou. D'accord. Ok, c'était idiot alors. C'était un peu idiot de ma part. Voilà, plein de bouffe. Je vais faire des stocks. Tenir durant l'hiver. Voilà. J'arrête pas de tuer des lapins, bon bah voilà. C'est des pauvres lapins sacrifiés pour la bonne cause. Dans Don't Starve, chaque action a une répercussion explicite ou implicite sur le monde. Les actes de méchanceté sont un bel exemple. En effet, si vous tuez à maintes reprises des animaux inoffensifs ou amicaux, comme un cochon ou un buffalo, vous accumulerez des points de méchanceté. Notez qu'aucune chose visible, ouais d'accord, seul ce barème permet de vous faire une idée. Alors, je suppose que tu vas poser le barème après. Est-ce que c'est les lapins sont considérés comme des animaux inoffensifs? Techniquement, oui. Sauf que si on tue pas des lapins, ben, on est mort. Donc, faut choisir un peu. Le mec a ignoré mon piège. Ah non, mais là, il va. Il est au mauvais endroit. Si vous utilisez un piège d'entrée pour attraper les lapins, vous n'obtenez pas de points de méchanceté. Ok. Et en fait, ça fait quoi, disons, les points de méchanceté? Un point de méchanceté. Attention, le lapin donne un point de méchanceté. C'est absolument énorme, mesdames et messieurs. En fait, c'est que dalle, non? Allez, on va faire plein de bouffe. Je
Alors. Faudrait que je range des trucs. Quand vos points de méchanceté commencent à être conséquents, environ 30 points, un bruit strident va retentir pour vous annoncer l'arrivée de Krampus, un dragon mangeur qui compte bien vous faire payer vos méfaits. Cependant, si vous cessez de tuer des animaux inoffensifs, vous ne serez pas attaqué et Krampus n'apparaîtra pas. D'accord. Si vous continuez le massacre et accumulez 4 à 50, 40 à 50 points de méchanceté, le nombre exact n'est pas connu. Krampus apparaît, se met à vider tous vos coffres et à voler toutes vos ressources. Oh la vache. Tu augmentes ton côté obscur, tu pourras balancer des éclairs après. Exactement. Je veux devenir Palpatine. Moi je tue tous les chiens dans Minecraft et j'ai pas vu l'Under Dragon Rose. Il y a un Under Dragon Rose? Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Minecraft. C'est possible, hein? Honnêtement, j'en sais absolument rien. Fais le réserve l'eau. Oui, bah je sais, fais le réserve l'eau. Truc qui me servent à rien. Il faudrait que j'aille chercher de la bouse. Faire suffisamment de stock de nourriture en fait. Pour tenir. 30 puces n'attaquent que les coffres qui se trouvent dans un rayon de 6 mètres autour de votre personnage. Ouais, c'est ballot, mais mon coffre est, je pense, dans un rayon de 6 mètres autour de moi quand je suis chez moi. Si on essayait le monde souterrain un petit peu. J'ai des accès, on les a pas encore fait, peut-être qu'on pourrait essayer le monde souterrain. Ça serait cool. Une fois ce seuil de méchanceté atteint, estimé entre 30 et 50 points, un son strident retentit, un ou plusieurs Krampus. En effet, à partir du 50e de chance de survivre, deux Krampus, c'est aléatoire et varie entre 1 et 2. Oh la vache, 3 crans de puce, ouais, allez c'est bon, laisse tomber, à partir de 3 tu commences à péter un câble. Déjà que 1, enfin à partir de 2 tu commences à péter un câble, déjà que 1 c'est... Si je pense un peu casse-pied. Allez le lapin. Retourne dans ton trou, je vais te... Si tu le butes, t'as 1% de chance d'avoir le Krampus sac, qui est le plus grand conteneur portable du jeu. Ah ouais, 1%, ça veut dire qu'il faut buter énormément de lapins avant pour arriver à le choper. Sachant que moi, je suis pas foutu d'avoir les objets à 2%, donc... Ouais, parce que sur DS, j'ai Dragon Quest 9. Et dans le jeu, il y a des drops sur certains monstres qu'on peut farmer, qui sont à 2%, des drops légendaires. Et j'ai fait un du coup, c'est en fait, il faut farmer des boss. J'ai fait un boss. Je l'ai farmé plus de 178 fois et j'ai toujours pas eu l'item à 2%. Fait 4. Le 4 triple. Quoi? 4 triple. Ça veut rien dire 4 triple. Ça fait le triple ou 4 fois mon sac? Si c'est le triple. Le triple, c'est tellement abusé. Et 4 fois, c'est encore pire d'ailleurs. J'y pense. Alors, suffisamment de merde pour me faire d'autres champs encore. Ah, d'accord, c'est aléatoire en plus, 4 fois ou les triples. Le sac à dos de Wakfu, t'as une maison dedans? Jamais joué à Wakfu. Le TARDIS, exactement, c'est le TARDIS.
Direction les grottes. Bon, bah allons-y alors. Allons-y alors. Est-ce qu'on peut emporter tout notre matos dans les grottes? Auquel cas, il faut que je me prépare. Salut Zardoz. De toute façon, moi je vais bientôt arrêter aussi. Parce qu'il est. Il est 23h43 déjà. Bon bah on sera au jour 16, un peu plus. Ce qui est pas mal. Mais tu peux tout emmener. Non mais il reste un modo, hein, Hero of Time, et ce modo c'est moi. Hein. C'est lui qui sort. Alors. C'est pourquoi je vais te muter du évidemment. C'est bête parce que ça sera jusqu'à la fin du live. Aïe. Peux y aller. Non, Hero of Time, tu fais pas de Mariole non plus. Hein. J'y suis allé une fois. Meurs pas, tu es déjà mort une fois. Ouais, je sais. Alors, comment ça se joue ici? Comment ça se joue? Ça joue à la torche. C'est quoi ce truc? On fait du bruit. C'est flippant. Les arbres. Ah mais j'avais déjà une torche. Bon. Alors, on a une carte. On a quand même une carte. Ok. On est par là. Déjà que le jeu en surface est flippant, alors dessous c'est pire. Ouais. Il faut faire avec, hein. Attendez deux secondes. Faut quoi pour les torches? 9, 2. Ah, j'en ai pas tant que ça, donc faudra que je me méfie. J'ai pas tant que ça. Ouais, mais genre y'a rien. En tout cas, quasiment rien. Ah, ça descend peut-être. Aller vers les maracas. Ouais, c'est des créatures là. Quelque chose de l'autre côté là-bas. Ah oui, d'accord, je vois. Je vois ce que c'est. Ah oui, il y a des bruits flippants, effectivement. Il fait jour. Du guano. C'est bien, c'est du fertigant. Une chauve-souris. Heureusement que c'est le jour. Ah oui, parce que sinon elles nous font chier. Lâche-moi!
Il est en tentacule. Il y a des tentacules. Pas que je m'arrête. Il est en tentacule. Il y a des tentes-araignées. Non, c'est des araignées, pas des tentes-araignées. J'ai déjà plus de torches. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va descendre par là. Attention, ces araignées blindées. Ouh là là, bah, je vais pas m'amuser à aller vers les araignées blindées, hein. Sable. Il y a des berry bush au beau milieu de rien du tout. Là-bas, il y a des araignées. On va peut-être rentrer parce que j'ai la sanity qui baisse vachement. On va rentrer. Sauf que je rentre pas dans le bon sens. Une torche, la reine araignée ou Spider Queen est un boss très fort mais aussi très lent. La meilleure technique pour la tuer est de poser plein de pièges à lapin. Pièges à lapin pour attraper les petites araignées qu'elle invoque, ensuite elle fera venir les cochons jusqu'à elle. La reine araignée apparaît lorsqu'un lit de 3ème niveau a été vidé. Avec le temps, elle faisant apparaître ce boss. Vie 1250, waouh, dommage 80, période d'attaque 3. Bosser. C'est ça, merci Wikipédia. Ouais, sauf que je compte pas me faire un boss araignée. On va rentrer chez nous. YOLO. Parce que là, c'est caca. Va falloir que je passe de l'autre côté du wormhole le lendemain matin. Non, c'est juste fais attention à pas brûler les nids, d'accord. Ok, bon, bah là j'ai la sanity extrêmement basse. Ah, faut que je fasse gaffe. Tac. Nick, tu as vu tier 3, 20-40 jours. Araignée guerrière, araignée standard, araignée araignée, d'accord. Cook. On pourra lancer la production de ressources. Et d'ailleurs, je vais pouvoir mettre de nouvelles fermes. Non, je ne pourrais pas en remettre. Parce qu'il me manque de l'herbe. J'ai vu comme un éclair, non? Ou c'est moi? Si on va tuer un méga dur avec des mouches. Merde! Le con!
Lâchez-moi. Lâchez-moi. J'ai plus de place. Il faut que je mange de toutes les façons, de toutes les façons, de toutes les façons. Qu'est-ce que je vais manger? Ouf! Ah oui, d'accord. Quand tu mets plein de lapins dedans, et eh ben ça aide bien. Oula. Il faisait une drôle de tête une fois qu'on s'arrête. Une fois qu'on est là, ce qu'il faudrait que je fasse. Demain, il faut que j'aille filer récupérer des fleurs. On va faire un collier de fleurs. On va se faire un collier de fleurs, histoire d'être bien. C'est toi, mais ta sanité, je te dis, va ronfler d'un coup. Ah, va ronfler un coup, va dormir. Oui, effectivement, il faudrait que je dorme, mais j'ai d'autres trucs à faire. J'ai Storol. Une corde, mais je crois que j'ai une corde déjà. Plus de place. Équipons-nous. Merde! J'ai oublié de mettre le. Le con. J'ai oublié de mettre du feu. Ah oui, ça nique bien. Bon, ok, là c'est pas mal. Ça a remonté la sanity, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas exactement ce que je voulais, mais ok. Il faut que j'aille chercher un peu de tout. Je suis très limite. Très limite, c'est très limite. Liqueur 55, on va attendre la prochaine nuit, puis ça, on arrêtera là. Parce que j'ai encore des trucs à faire. Fais le réserve l'eau. Il faut que je recapture des. On va rattraper des. Oui, mais elle est là. Toc. Ah, mais je suis con, il est sorti. Contourner. Ok, j'ai plus de pelle, c'est pas grave. 6, faudrait que j'en fasse 2. 2 complets, donc il m'en faut 8, il m'en faut encore un de plus. Je vais faire des gros gros stocks. Tant pis si ça fait monter ma méchanceté. Je fais pas ça trop souvent non plus. Toc. Plantes avec des yeux. Il y avait des plantes avec des yeux. Tu entendras qu'en plus tu te calmeras en hiver de toute façon. Oui, c'est vrai. Merde. Mais j'ai déjà 500 000 trappes en fait. Winter is coming. Qu'est-ce que c'est que ces trucs?
Ah, c'est le bourgeon d'hier. Putain. D'accord, c'est ça. Et ça se défend, ces trucs? Parce que là, c'est flippant, en fait. C'est juste super flippant. La plante a yeux de détruire tout. Et ça veut dire quoi? Est-ce que je peux l'attaquer? Je suppose que lui, elle a l'air de me manger. Faut que je les brûle. D'accord. Ça fait bien, bobo. Putain, il faudrait que j'arrive à... Est-ce que c'est assez près? C'est pas assez près. Est-ce que c'est assez près? Yes! Des problèmes de nourriture. Merde! Il s'est passé quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis mort à cause de quoi? À cause de quoi je suis mort? Attendez. Starvation? Mais j'avais encore full vie! Merde. C'est con. Starvation, mais j'étais full vie. Faudrait que je me repasse le replay, mais j'étais full vie, non? Enfin, full vie quand même pas, mais j'avais de la vie, donc il pouvait pas m'instant kill. Je me disais bien que c'était la bouffe, mais c'était d'ailleurs au moment que j'avais mangé. C'est genre j'ai pris 40 points de dégâts d'un coup là, ou... Oh la vache, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça du tout. Bon bah voilà, au moins ça finit, on finit le live là-dessus. Ah dommage, parce que bon, j'avais l'air pas trop mal parti. Même si c'était pas la meilleure map du monde quand même. Bah c'est... Peut-être que j'y arrive déjà mieux. Bon bah sur ce, on va arrêter là le live, hein. Bon, c'était sympa, même si vous avez été un peu le bordélique sur le chat à la fin, là, bon. Je préfère quand vous êtes un peu plus concentré sur ce que je fais, ou vous discutez un peu plus posément avec moi, parce que là, c'était juste un peu n'importe quoi. La fin story, ça, ouais, c'est ça. Voilà, donc pas de live demain soir, ni après-demain, ni voilà, jusqu'à dimanche. Peut-être que j'en ferai un dimanche. De toute façon, il suffit d'être là sur les réseaux sociaux. Je sais pas si je ferai une annonce sur YouTube, je pense pas. Enfin bon, sachez qu'il n'y en aura pas forcément, parce que je pars en vacances jusqu'à au moins la fin de la semaine. Je n'y arrive pas à STP. Non, non, mais t'inquiète pas, j'y résiste pas, je dis certain. Voilà, The Kane Master. T'étais là, The Kane Master? Tu t'es bien amélioré la prochaine fois, peut-être dimanche, ouais. Mais peut-être que je ferai pas ça sur Don't Starve, je jouerai à un autre jeu, voilà. On changera un peu. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne nuit. Moi, je suis pas encore couché, je pense, avec la chaleur qu'il fait, c'est infernal. Et puis, voilà. Allez, le replay sera sur YouTube, et puis... Salut tout le monde! Salut, salut!